Bon, est-ce que nous avons fréquenté le président dominicain qui c'est Luis Abinader actuellement là que l'a fait avec Haïtien? Eh bien, laissez-moi vous dire que les gouvernements et les politiciens, malheureusement, n'ont pas dit why. D'ailleurs, famille, bien, qui est derrière? Qui met les toi qui pays? Eh bien, oui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier soir, sous canal, nous connaissons qui gagne dans la rivière Massacre, tu as eu de grosses cérémonies mystiques qui étaient faites. Suite après que Luis Abinader te fini par annoncer que oui, définitivement, la ferme frontière là, elle n'est pas bail haïtien visa encore pour venir à Kaili. Et si autorité haïtienne ou pas campé travailler ça, définitivement, y a fermé pour nous. Donc, des pour pas légal, qui j'en fait dans le pays, bon, pas bien visa. Voilà ma gloire, bon question de poser ta tout matin là. Qui question? Si canal ça rabaille tout problème ça. Ah, nous sommes les secret. Papa Haïtien, écoutez-moi donc l'important pour nous avancer aujourd'hui. Le plus que important pour nous avancer parce que c'est toujours dans l'union nous capables de jouer une force là. Sans frère, nous, à Kessé, nous, que Dominique était massacré en 1937. Là, c'est Kounia. Nous pourrons être capables de jouer sans ça pour nous éjader. Nous on nous identifier avec l'autre côté toujours. Non. Quand ça n'a pété d'autres canals, dans la rivière, ça toujours sortant de là, n'a fait manger. Hey, est-ce que nous avons une idée au moins de l'histoire rivière Massacre, rivière de Hamon? En 1937, mesdames, messieurs, en octobre, il y a eu le massacre de Percy à l'époque. Donc, massacre de Percy, ça va poser question côté le sorti. Ou t'as aimé qu'on côté le sorti sans doute? Yes, m'la pour m'zou. M'a raconte. Période ça, c'était bien sûr suite avec même période de génocide ça qui était planifié. Ancien président dominicain à l'époque ça, monsieur ça, qui c'était Rafael Leonidas. Rafael Leonidas Trujillo Molina, et c'était bien sûr ce nom. Et monsieur ça, bah, ça a été fait en octobre 1891, bien sûr, 24 octobre. Eh bien, bah, ça a passé dans San Cristobal. C'est là que ça a pris le mourir en 1961, mois de mai, dans Ciudad Trujillo. Donc, monsieur Silla, c'était un militaire, il était président dominicain, en tout. Il était sorti dans l'année 1930 pour 1961, comme ça. Eh bien, on est après monsieur Safin mourir. Laissez-moi vous dire, Negre le Rafael Leonidas Trujillo Molina, monsieur Silla, c'était bien sûr un xénophobe. Donc, son nègre qui pas vle ouais étranger haïtien, ce qui prétexte d'après vous, comme quoi, n'a pas vint propre pays l'amène. Eh bien, Trujillo lui-même, t'as pral entendu avec l'armée dominicaine. Yo met les têtes ensemble avec la population civile là. Juste pour être capable de faire génocide ça. C'est génocide ça qui a commencé le 2 octobre 1937, qui a pris le fini le 8 octobre 1937. Génocide si là, c'est lui qui a pris le pote aller pour nous. 20 000 jusqu'à 35 000 Haïtiens, frères et sœurs, nous allez, nous tuer 20 000 jusqu'à 35 000 Haïtiens. Wow. Et ceci, c'était sous l'autre dictateur, ça, oui, qui s'est Trujillo. La mère Kounian, t'as pas utilisé qui ça? Machette, rache, couteau, wash, ake, bâton! Juste pour être capable de river, maspiner frère accès nous haïtiens. Dans toute zone, nous connaissons haïtien en République Dominicaine, de façon pour génocide ça, t'es capable de faire plus bien toujours. Pour génocide là, t'es fait plus bien. Qui soit connaît? Même Trujillo, ça m'a parlé de l'IA. Lui fait fermer depuis ses frontières yo, entre Saint-Domingue et Haïti. C'était bien sûr une façon pour grâce haïtien pas de chance sauver. Waouh, à la moun yo gen l'esprit papa. Eh bien, moun sa au fond gros trou par la suite, yo enterré depuis ces haïtien yo tué, parfois yo boulé yo tout. Eh bien, m'pa pral log. M'vlo comprendre. Sel grain bagay qui t'a pral rete célèbre. C'était bien sûr non ça qui c'est Rivière Massacre. À force que yo te jete ko haïtien dans rivière à mon nan rivière ça nous en a goumé pour la jodi a qui séparer entre haïtien et République Dominicaine
Eh bien oui, c'était bien sûr après massacre ça, non ça, t'as pral rete qui c'est bien sûr Rivière Massacre. Donc, dans le moment ça, il y a quelqu'un qui a été sauvé pour me dire vrai. Mais si grand qui t'a sauvé, c'est quelqu'un bon grand dominicain qui t'a fait au cachet pour être capable de sauver. Donc nous pas oublier parti ça. Dominique pas bon monde, mais il y a quelques graines qui plus ou moins humain. Yo massacre qui te porté non massacre de Percy, yon test de prononciation juste pour nous-mêmes capable identifier vrai dominicain yo. Ouais mo ça de vous pas ka prononcer le bien en espagnol Percy. Eh bien, yap show, c'était bien sûr comme ça bagala teye dans le temps. Donc époque ça, étudiants haïtiens ont été tellement fâchés contre le silence président qui s'est Stenio Vincent à l'époque. Eh bien, c'est à partir de là, ils ont choisi de prendre la rue et puis ils aller devant le palais national juste pour être capable de demander avec l'État souple réagir. Bien sûr, c'était comme ça, oui. Président Stenio Vincent, t'as pral dit, l'État n'a pas de moyens, non, pour goûter à l'armée dominicaine. C'est depuis longtemps, oui, nous n'avons pas péripétie, ça y est, waouh. Est-ce que tu connais? Quelques mois après, la ronde ça, parce que ni la médaille d'Haïti, ni l'État haïtien, pas de poté haïtien ce coup, eh bien, après qu'aucune chaîne de ronde ça, sous pression ancien américain ça, monsieur Franklin, Franklin bien sûr, Delano Roosevelt, à toutes Nations Unies, yota pral force dictateur ça, qui c'est tout rio pour capable reconnaître massacre Percy, octobre 1937 là. Eh bien oui, c'est exactement comme ça, histoire liée, vérité en enflammé, c'était comme ça en 1938, président Stenio Vincent, Rafael Turio, Mounsayo, tapral joignon yon accord, juste pour capable éviter sanctions diplomatiques et régionales contre République Dominicaine, côté que l'État dominicain en soi t'apral accepté pour te dédommager l'État haïtien yon somme de $750,000 vet. Mais malheureusement l'agent si là c'est qui ça le redit fait son l'agent qui t'apral passer dans corruption. Nous connais politiciens haïtiens, nous son équipe corrupte, n'est-ce pas? Victime yon malheureusement pas de bénéficier de l'argent ça. Le pourquoi? Parce que c'était une affaire de 30 pour chaque victime. De la manière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous devons faire appel ça pour massacre ça, plus passer 8 décennies après grand génocide ça, que nous le massacre de Percy, eh bien oui, malheureusement, jusqu'à présent, l'État dominicain toujours pas reconnaître comme massacre. Eh bien oui, nous là, n'ap suivre, n'ap garder, n'ap combattre, mais m'a prié nous en grâce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers confrères haïtiens et haïtiennes, l'union fait la force. Nous capables et si nous unis nous ca fait et défait, n'ap avancer parce que sans frère nous yo, ak sœur nous yo, que dominicain t'es arrivé massacré en 1937, bien sûr, sans ça capable aider nous, rouser jardin que nous commencer identifier un paquet là toujours juste pour nous capables péter d'autres canaux dans rivière ça pour nous capables aller vers l'avant. C'était avec vous Amounetti, moi mon pile bye bye, que Dieu vous bénisse.